Bonjour tout le monde, c'est Rob Ansmil et bienvenue sur Hearthstone pour une vidéo de la galère. Puisque j'ai dû couper la box à cause d'un orage un peu trop fort qui a à proximité, un peu trop proche à vrai dire, qui a une légère tendance à faire cramer, ça a toujours tendance à faire légèrement cramer la moitié des box de la vallée des gains d'orage, donc je prends plus de risques, je coupe tout. Il est possible que la vidéo lag clairement. À cause justement de la connexion internet, je suis en 3G. 3G 2 barres, ça aide pas. On va faire une aventure pour l'instant. Faire les bois maudits, ce sera plus calme, ce sera plus simple. Bois maudits, hein, c'est très bien, ça fait bien. Je sais plus où j'en étais. Moi j'aime bien cette aventure, j'aime bien ça, j'ai fait en boucle, mais moi ça me plaît. C'est fière, c'est l'obscur. Oui bon, je vous l'ai dit, ça va laguer, hein, clairement. Je voulais faire un truc, mais non. Donc je voulais faire une... En fait, je voulais vous montrer le nombre de FPS... Ah non, mais je peux pas. Je voulais vous montrer le nombre de FPS que j'ai, en fait, sur OBS, mais... Ah non, il veut pas. C'est full screen, full screen. Enfin, mi-full screen. Voilà. Je crois qu'on l'avait battu, la harpie, donc ça... on l'avait battu, et oui, ça s'était plutôt bien passé la dernière fois. On va voir. Oh, pardon. Oh, merde. Non. Commence mal. On m'endort, moi. Oh. 2, 3, 2. Ouais, pourquoi j'ai gardé la 3 en fait? Voyons si. Je croyais qu'il y avait une. Qu'il y aurait un truc. D'accord. Donc, écho. Tu bouffes. Ouais, je réfléchis un peu, je sais pas trop comment je vais le faire, on verra bien. Comme faire un cristal de mana vide, j'ai 18 cartes, elle a 24 cartes. Il y a quand même un sacré avantage. Toi tu dégages. Découvre une copie d'un serviteur de votre deck, tu m'intéresses. Ruée, je pense que je vais prendre la ruée qui est plus intéressante. Surtout qu'il y a plus de PV, donc ça me fait une 8 de ruée. Là, c'est intéressant. Un point de dégâts, pioche une carte, en toute logique. Non, Ah, ouais. D'accord, ouais, ok. Calcule sur la rentabilité, si tu veux. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Non, on va tenter ça. On va juste tenter ça. Au prochain tour, je colle adaptation. La 2-8, non, je vais pas l'utiliser. Un Diablosaur, c'est parfait. Enfin, un œuf de Diablosaur, entre autres. Avec Furie des Vents, l'œuf de Diablosaur. Hein? Hein? Pourquoi? Juste pourquoi? Là, je veux juste qu'on... Ah merde, c'est pas une bête. Ah, mais qui est débile. Ah, mais qui est débile. Non, ça on va pas attaquer, on va pas lui faire le plaisir de... Voilà. 8-2 et 8-2, parfait. 2-8-2. De Christian Mana. Pour jouer à 9 de Nérubien. Ah! Joli! C'est joli tout ça, mais ça, non. Déjà. Ah oui, elle réagit au sort. C'est vrai, c'est vrai. 3. Et 4. Et 1. Et 2. Ouh, elle va taper à 4. Waouh, bravo. Elle va taper à 4 sur 100 en plus. Ouais.
Comment je vais le tenter en fait? Je pense qu'il faudrait que je fasse ça et ça. Ou déjà ça, sûr. 3 points invocant ou 3-3. Ensuite, il faudrait que. Non. Tu peux s'arrêter avec Rade d'Agonie dans votre main. Rade d'Agonie, j'ai rien. Non. Non, ça sera pour plus tard. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Tu prends. Et tu prends. Mais c'est un peu le son, un peu fort chez moi. Pas ce point-là quand même. Putain, cette télécommande là sur ce casque est horrible. Elle est ultra sensible. Là, c'est quoi? C'est D8, parfait. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait mettre plus en plus dans ses serviteurs. Oh, il a le bébé dragon. L'œuf de dragon démarré. Oui, qui est mignon. Bah, écourué, on va bourrer l'écourué. Je vois pas pourquoi on se ferait chier. Donc, déjà, ceci. Ensuite, on rajoute ceci. On rajoute ceci. Et on rajoute ceci. C'est dans la main ou... Ouais, allez, on le tente de coup de chat, on va voir ce que ça donne. Toute façon, on le verra au prochain tour. Elle a suffisamment de mana pour le jouer. Et bien, ouais, ça y est. Ouais, en fait, Hearthstone, ça passe plutôt bien en 3G. Je suis étonné. Super! Le dragon aléatoire, trop bien! Et merde! Le gros Drake! Super! Et j'ai plus que des 2-8, trop bien! Donc, oui, déjà, il va falloir que je fasse du ménage. Un minimum de ménage. Donc, on va faire ça ici. 3. 6. Ensuite, 1, 2, je n'ai rien avec Rade d'Agonie, donc je m'en fous, et ça on va pas les blast pour l'instant. Ça on va peut-être pas... Non. Gagne 8 points d'armure. Et oui. 4 points de dégâts à un adversaire, donc c'est lui qui va prendre un point à tous les autres. En théorie, c'est lui. Ah non, c'est lui, d'accord. La 1-2 qui prend. Et 8-2, donc on va jouer les deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on met un peu de puissance d'attaque là pour être tranquille. Un corbeau, oh, t'es mignon. T'as perdu. Ouais, juste t'as perdu. Ouais, mais t'as perdu. Non. Ah, mais. T'as perdu, j'ai dit. Voilà, allez, dégage. L'harpie s'est dégagée. Taiseux, ouais, bah casse-toi. Ça, c'est fait. Problème réglé. Bon, 8 minutes 50, ouais, on continue. Même si je sens que le upload de ce soir va être compliqué. Oh mais merde, oh mais j'ai pas du... C'est pas agressif, ça c'est de la merde. Piocher deux cartes, ça me sert à rien du tout. Rendre 2 points de vie au personnage allié, voilà. Alors là, y a rien du tout, rien d'intéressant. C'est de la merde. Je vais te dire un... Pardon. Soyeur, c'est quoi? Non, c'est rien, j'ai pas suffisamment de trucs avec. Voilà. Non, je pense qu'on va prendre. Arfus me plaît bien, mais je l'ai déjà, je crois, Arfus. Non, je l'ai pas Arfus, donc on va le prendre. Parce qu'Arfus peut sauver en fait. J'ai dit, on prend, merci. Mal germé, super. Mal germé, le boss qui invoque des 8-8 tour 4. J'aime pas ce boss. Vous l'avez deviné.
Enfin, il faut vraiment jouer beaucoup de choses en même temps. Ça fait plein de trucs. En fait, un mec avec son cheval et ses chiens s'attaque à un gros caillou. Un gros caillou qui t'en veut. Et qui sort des dictons. Ouais. Mais pourquoi pas? 1, 2, 2, je préfère. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est. Ouais, c'est réduit. Heureusement, j'ai un peu de vie. Le coup des cartes de votre main de 1 cristal. C'est pas la main de l'adversaire, c'est chiant. Barnabus avec 5 bestioles. Père. Tu prends. Ok. Ok, gagne le point d'armure, super. Donc 4, on va mettre plus 2, plus 2, et provoque à celle-ci. Neuf, parfait. Géant des mers, cool. Vos autres serviteurs ont plus d'attaque à 6. 41. Ouais, ça passe. On va le baisser encore un peu. On va pas contrôler son jeu tout de suite. 24, on est bon, on est en avance. Mana vide. Ok, ça on est bon. Ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Il faudrait que j'arrive à lui infliger 10. 2, 4, 6. Ça va être compliqué de lui infliger 10. Vos autres serviteurs ont plus d'un attaque. Donc on va déjà sortir ça. Donc 2. 2, 4, Mastiff et Corrué. Donc, on va déjà taper avec ça. Ensuite, on va taper avec ça. Et ça. Ensuite 7, 11 et 15. Parfait. Parfait. Bon, il se gère tranquillement. En plus, j'ai de la régène de points de vie. Ouh, ça va pas faire du bien ça. Au revoir. Non, non, là, je laisse pas envie ce truc là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il faut que je puisse upload des trucs de mon téléphone facilement. Sans que l'orage risque de me faire cramer mon ordi cette nuit, donc pouce bleu, commentaire et abonnement, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Hearthstone. Je pense que je vais continuer le bois maudit. Allez, bye bye les gens.